Allez, puisque la foule est là, on va commencer à l'heure. <laughs> euh, bonjour à toutes et à tous. Je regarde mon écran qui continue de se plaindre de plein de trucs. Euh, C'est très bien. J'avais quand même vérifié hein, ma machine fonctionnait sans souci hier. Il n'y avait pas de problème. Et puis, euh, évidemment, au moment de brancher la caméra, qui répondait plus, mais genre plus du tout. Ouais. L'objectif rester, euh, rester sorti sans vouloir euh, se réallumer. Enfin, C'était très sympa. Donc, une vraie, vraie bonne rentrée. Donc, euh, que ceux qui ont besoin d'aller se faire un café aillent se faire un café. Et salut donc à toutes et à tous. Je vois y a déjà... Ah, mais si, il y a une foule, vous rigolez. On est Oh, au... ah, bah tiens, il déclenche des trucs maintenant. On se croirait sous Webex. Donc, OBS a intégré des trucs, je pensais pas. Ou alors, c'est. Ah, ça marche. Si tu fais ça, il déclenche des trucs. Ah, ce ah ouais. okay. enfin, je crois que c'est comme ça aussi. Voilà, fait l'artifice. Ah bah, je suis sous macOS, c'est intégré dans macOS en fait, c'est ça Je pensais que c'était intégré dans mon, dans mon outil de, de visio habituel, mais euh, non, c'est macOS qui permet ça. Voilà, intégré, formidable. Vous voyez passer la mascotte derrière le bazar. Elle tousse toujours, euh, la pauvre. Elle pousse en bas, ouais, vas-y, ça fait quoi Wow, ça fait juste... Wow, j'ai le pouce en bas, j'ai le pouce en haut. Voilà, on a celui-là. Voilà, avec les ballons. Je crois que les deux, ça fait un truc différent, non Voilà. voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait tout à l'heure Je sais aussi, il fait l'artifice. Voilà, je crois que c'est tous ce que je connais. <laughs> bah voilà, ça fait, un... ça fait une vraie rentrée. Hein. Euh... Je regarde deux secondes derrière. Ouais, on a la mascotte qui veut pas monter sur son petit coin tranquille. Ouais, il y a le dos du milieu aussi, ouais. ouais tiens, je te le dédicace celui-là. <laughs> oh bah, ça, de toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux Aurélie, elle est en vacances, alors elle, elle croit que, que tout est permis. <laughs> bon, juste deux secondes, jazz. Allez, hey. faut toi sous ton tapis là, si tu nous foules. Allez hey. Qu'est-ce que t'attends Viens là, y a pas là. Euh, elle n'a pas changé. Index et auriculaire, c'est-à-dire un genre un comme ça Non Index et auriculaire, si là tu veux dire ouais, Je vous fais cadeau, hein, je vous fais la totale, hein, dans ce sens-là. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, tu vois. Après, j'ai appris il n'y a pas longtemps, il fallait distinguer avec le pouce et sans le pouce. Ah, <laughs> oh bah, si tu sais plus quel jour on est, c'est bon signe, c'est que ça s'appelle les vacances, c'est parfait, Aurélie. Bon, bah, écoutez, euh, comme euh, Comme Olivier glandouille, euh, monsieur ne stream pas, monsieur est en vacances. Je me suis dit que j'allais prendre un peu le créneau, et on va reprendre hein, tranquillou. Donc je sais qu'il y en a qui sont encore en vacances, donc profitez de vos vacances. Ceux qui ont repris le boulot, bah c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai recommencé ce matin. Euh... Je vous conseille le nord de l'Italie, c'était vraiment sympa. J'ai passé euh, quelques temps très sympathiques. Et puis j'ai fait un certain nombre de choses euh, qui vont probablement déboucher sur des projets. Alors, hein, on va faire comme toutes les émissions de rentrée, je vous annonce plein de trucs. Puis euh, à, la, à la fin de l'année, je peux regarder l'émission de, de rentrée de fin août, début septembre. Je me rends compte de tous les projets que je voulais faire et tout ce que j'ai pas fait, mais c'est pas grave ça. Donc aujourd'hui je suis accompagné de mon, mon panda spécial, un certain parc Tourangeau. Ouais ouais c'est les résolutions de rentrée ouais tu parles si si je vais vous montrer 2 3 trucs euh, ce qu'on va faire d'ailleurs ouais c'est pas à bientôt c'est juste moi je sais plus appuyer sur les bons boutons euh, dans les trucs que j'ai fait je sais pas si je l'ai installé là mais je pense pas parce que ça prend trop de place ouais. je vais quand même aller sur un navigateur vous le montrer je crois que c'est possible voilà, si... Donc, je suis parti euh, quand même vraiment sans ordinateur cette année, et même l'iPad j'ai tenu bon, mais il y a un moment j'ai craqué et je me suis amusé avec Swift Play Playground qui permet de... Alors au départ, qui permet d'apprendre le langage Swift, et en fait euh, j'avais noté dans un petit coin, mais genre, euh, je sais pas, ça fait un an, deux ans, trois ans, je sais plus, enfin j'avais une... J'ai fait le tour de tous les trucs que j'avais stockés dans la to-do list et j'avais quelque part un truc qui disait retourne voir Swift Playground euh, parce qu'ils avaient annoncé Apple que depuis, donc ça c'est, je l'ai utilisé depuis un iPad mais ça existe euh, en version euh, macOS. Mais en tout cas la version iPad il paraît qu'elle était capable de, de, de publier des applications euh, à, sur l'Apple Store en fait. Et donc c'est vrai. Et euh, bah, ce qui s'est passé c'est que je me suis amusé à regarder quelques petits tutos et puis... Euh, Regarder un peu euh, tout ce qui était Swift. Alors, euh, beaucoup la partie euh, Swift UI euh, qui m'intéressait parce que j'étais curieux. Et j'ai découvert un truc, ma foi, euh, bah, que je trouve bien fait et que je trouve euh, sympa. Euh, je ne vais pas pouvoir l'installer là parce que, évidemment, je crois que ma machine n'a bientôt plus d'espace disque pour ne pas changer. Et euh, bah, je me suis pris une petite formation un petit peu plus calée histoire d'avoir un. Moi, j'aime bien avoir un... des exemples et tout. Je trouve une formation sur Udemy. Euh, Genre, il y en avait plein, mais il y en a une qui, euh, qui fait que à base d'exemples, on apprend euh, les différentes euh, notions nécessaires, mais que sur des exemples. Donc euh, j'ai trouvé ça bien sympa. Euh, pour l'instant, j'ai que. Alors, je suis passé avec Xcode. Euh, j'ai trouvé beaucoup plus au départ l'expérience est beaucoup plus sympa avec euh, avec un iPad parce que le Swift Playground, il est ultra rapide, instantané. Euh, euh, tout se lance en même temps et c'est vrai qu'au début euh, installer Xcode qui vous demande si vous voulez installer la partie iOS iPadOS qui vous demande d'installer le simulateur puis après le simulateur est long à démarrer les premières fois donc c'est pas euh, c'est pas c'est pas aussi fluide et euh, aussi sympa mais, euh, mais ça reste j'ai trouvé euh, j'ai découvert un langage plutôt euh, agréable que je connaissais pas et je voulais vous en montrer un bout là, parce que dans la formation que je fais, j'ai trouvé des trucs vraiment cool. Je vais zoomer un peu que vous arriviez à lire à peu près, hein, mais c'est juste pour vous montrer euh, un, des exemples qui est fourni donc euh, dans l'explication. L'idée c'est de euh, euh, donc c'est en cours là, elle n'est pas terminée. Je, je vais aller, je vais aller même un peu plus loin, je vous montrerai après. Mais on fait une petite application qui va lister euh, ce qui va représenter des lieux euh, à Las Vegas et euh, comme si on était en vacances à Las Vegas, on choisit si on veut aller voir certains endroits ou pas, et puis on a des infos on a des photos, on a tout un tas de trucs et ça permet d'aborder euh, pas mal de notions euh, les deux plus importantes étant évidemment tout ce qui est euh, UI évidemment euh, mais aussi, euh, et donc là c'est, euh, que je dise pas de bêtises, donc c'est Xcode qui doit être en bêta 16 c'est ça en bêta 16 pour tout ce qui est iOS 18, parce qu'il y a pas mal de changements, notamment sur la partie données où euh, dans le monde de iOS on utilise un truc qui s'appelle Core Data, qui après euh, euh, va permettre de, de manipuler genre du SQLite ou d'autres types de bases de données de, de ce genre-là. Euh, et là ils ont une couche supplémentaire maintenant un peu plus high level, on va dire, qui s'appelle Swift Data. Donc c'est pour ça que je voulais regarder. Et puis il y avait pas mal de trucs de UI. Euh, euh, récent. Donc là, euh, je fais euh, paradoxalement le cours commence avec les dernières euh, versions qui sont dans la version en bêta pour iOS 18 qui est en bêta. Et puis après, on repasse sur du 17. Donc je vous dirai si j'ai perdu beaucoup de choses, mais en tout cas, le, ce qui était vrai sur l'iPad et qui est encore vrai, c'est le le côté euh, pour la UI qui est très euh, très fonctionnel et j'aime beaucoup le fait de chaîner des modifiers et, et des choses comme ça. Et je voulais vous en montrer un petit peu. Euh, donc le premier truc qui est rigolo, je trouve, avec Swift et en tout cas dans la partie Xcode, c'est que vous voyez à la fin, là, j'ai un petit hashtag preview. Et euh, figurez-vous que le hashtag preview va vous permettre de décrire ce que vous allez avoir là dans la partie droite, qui est un simulateur, là en l'occurrence, qui est réglé sur un iPhone 15 Pro. Mais euh, vous avez, si je fais mort, vous avez plus d'iPhone, vous avez les iPads, et ainsi de suite. Euh... Il faut commencer par les bases, afficher un pixel, puis une ligne et un carré. Là, c'est trop simple. Oh, mais moi, ça me va bien, Guillaume. Les ordinateurs, j'aime quand ils marchent, pas quand je les bidouille. Et les langages, c'est pareil. J'aime quand ils marchent et pas quand j'ai besoin de tout réécrire. <laughs> mais j'ai ai beaucoup aimé. Donc là, la, la partie prévue, on décrit ce qu'on veut. Il se trouve que, euh, euh, on peut faire référence, du coup. Euh, alors là, en l'occurrence, c'est la, la vue qui est en train d'être écrite dans ce fichier là, donc chaque fichier peut avoir une preview différente. Euh, si je vais dans voilà. scroll image qui permet de faire le truc de base, ben là, ça permet juste de voir une, une image par défaut. Si je vais dans scrolling, il y a juste la partie scrolling, voilà, et ainsi de suite. Euh, et on peut même définir, et c'est ça qui est intéressant dans celle-ci, vous voyez. Euh, un élément qui vient de Swift Data qui est les modèles et les modèles containers. Euh, ça n'est rien d'autre. Si je vous montre ça, pa, pa, pa. le vrai truc de base dessous c'est place. Voilà. Euh, bon, on définit, c'est Swift Data, c'est rien d'autre que euh, quelques annotations permettant de décrire euh, euh, des accès et des champs à une base, ou euh, il y a aussi la possibilité de s'interfacer directement avec du JSON, des choses comme ça, pour sérialiser, désérialiser aussi. C'est tous les outils nécessaires pour manipuler vos données, et euh, je trouve ça, pour l'instant, plutôt bien fichu, donc euh, je, je ferai sûrement un, un, un détail, et sûrement je ferai mes propres tutos plus tard, là c'est le, le tuto de la personne, donc je vais pas vous le dérouler, puisqu'elle vend son travail, il n'y a pas de raison. Mais si je vous remontre ce que je trouve intéressant, hein, si on prend l'exemple, je vais enlever tout ça par exemple. Tac Et j'ai des idées de l'application que je vais réaliser, évidemment. Donc si je lui dis par défaut, là j'ai toute ma fameuse liste, là puis je lui, je lui donne juste, euh, donc dans le, la partie donnée, euh, place image, c'est un objet de type image, donc il va chercher à me les mettre. Vous voyez, si je manipule avec la souris, là, j'ai. On le voit peut-être pas bien la souris, mais je le manipule comme si j'étais en train de scroller. On voit toutes les images, de toute la liste d'images qu'il a, mais elles sont pas aux bonnes dimensions. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant, puisque euh, si vous regardez. Hop. Hop, voilà. Donc si je lui dis que c'est resizable, donc déjà il va commencer à faire les manipulations, mais ça ne suffit pas. Euh, si je lui fais un scale to fit. Hop, vous voyez, ça va aller mieux. Donc, à chaque fois, il recharge mon stimulateur. Donc, vous voyez, à chaque fois, je rajoute un, un modifieur, j'empile les modifieurs, et, euh, et c'est comme ça qu'on se construit euh, ce qu'on ce qu cherche à faire. Donc, il y a des choses déjà prévues pour euh, encadrer euh, euh, les petits effets de, de radius. Euh, dans les choses que je trouve sympa, c'est que dans le type image, euh, on a la possibilité d'avoir un objet image défini sur une bibliothèque, en fait, de... Euh, euh, d'images et d'icônes surtout euh, qui, euh, qui vont vous éviter de, de devoir réimporter de je ne sais où euh, les, les choses euh, là par exemple le starfield que vous voyez c'est euh, le fait d'avoir cette petite euh, étoile je sais pas si je peux zoomer la partie ouais, si je peux zoomer aussi vous voyez un peu mieux hop je vais agrandir sur le côté là voilà donc le, le star.file ça représente le fait que l'image ça soit, ça soit une étoile. Euh, au passage on voit que c'est conditionné, il y a tout un système qui dit euh, euh, si on veut euh, dans les données qui sont données, on, on, qui sont indiquées, on peut dire si on veut euh, aller à tel ou tel endroit, et donc on a un champ booléen interestid, et en fonction du champ booléen, on affiche ou pas euh, cette image remplie. Alors, il y a encore plein de façons. De, de gérer tout ça. On peut aussi ici euh, gérer des boutons, celui qui est en haut à droite là, avec les petites icônes d'image. Et ben c'est défini avec ça. Vous définissez, euh, vous surchargez votre euh, votre objet en disant que vous voulez une toolbar. Du coup, il va réserver une zone pour la toolbar en haut. Euh, vous pouvez positionner des toolbar items. C'est vraiment classique, mais très bien fait, je trouve. Avec un bouton, euh, le bouton c'est pareil. Je lui donnais un euh, système image. Là, j'ai mis euh, photo, mais euh, je sais pas, je sais qu'il existe par exemple le globe, c'est assez rigolo. Il voilà. euh, y a ce genre de choses. Hop, on revient, j'en mets tout. Et euh, voilà, à l'intérieur du bouton, vous mettez votre code. Bien entendu, euh, vous pouvez, euh, si vous avez des composants complexes, les décrire dans euh, un fichier séparé, ainsi de suite. En tout cas, ma découverte du développement euh, Swift euh, et Swift UI pour. Euh, alors, j'ai fait iOS et iPadOS. Euh, c'est plutôt sympa. J'ai commencé, mais j'avais vraiment. C'est quand je bricolais en vacances à, à voir un petit peu euh, comment on peut gérer le. Si vous visez du multiplateforme, si vous voulez une version euh, iPad, euh, iOS et macOS. Donc il y a des choses faisables. On verra euh, ce que ça donne. Je peux pas, euh, dans les idées d'application, vous montrer tout, parce que c'est les choses que j'avais commencé à maqueter sur. Euh, sur l'iPad, euh, ouais, c'est un peu couillon. Bah, Pas hein, tant pis, tant pis, tant euh, pis. Dans les trucs que je peux vous montrer, mais ça c'était les euh, voilà les, les nouveautés euh, de iOS 18. Donc il y avait tout un. Ce que vous voyez sur la partie droite, c'est du code aussi simple que ce que vous avez là. Donc par exemple ici, euh, il y a le fait que dorénavant euh, il y a toute une partie de d'effets, d'effets qu'on peut rajouter. Donc là on a l'effet pulse sur le globe, on a l'effet wiggle sur euh, euh, paper plane avec plein de petits détails rigolos comme le fait que les effets s'appliquent mais en fonction de l'icône que vous utilisez elles réagissent euh, différemment euh, par exemple sur le wifi où euh, on lui met un effet de variation de couleur et en aller-retour avec le reversing c'est ce qui fait que le wifi là on voit les symboles de wifi qui montent et qui descendent donc c'est pas plus de code que ça si vous l'appliquez à un autre objet ça va marcher mais pas euh, comme euh, pas, pas forcément adapté euh, genre hop, le petit le petit euh, truc météo là si je lui mets ça à la place on laisse rafraîchir oui il fait une variation mais la variation elle n'est pas faite pour ces icônes là donc ça fait ça fait pas l'effet tout à fait euh... bref j'ai trouvé que c'était euh, bien pensé que c'était bien sympa et vous en entendrez parler parce que euh, j'ai bien l'intention de de faire des petites applis, soit pour moi, soit de les diffuser, lier si je peux les diffuser, on verra, il faut, faut re, remettre la main à la poche évidemment, parce que si on veut partager, alors je crois qu'on peut un peu tricher avec les, les phases de bêta, avec la partie qui s'appelle Test Flight, que vous pouvez avoir sur les iPhones ou sur les iPads, je crois que juste avec le compte gratuit développeur, vous pouvez régulièrement, parce qu'il faut renouveler régulièrement, pousser une une release de, de votre appli et les gens peuvent par test flight la récupérer donc peut-être que je commencerai par ça et s'il faut on se fera tout le process jusqu'à l'apple store ce qui risque d'être un peu plus long mais si les applis sont intéressantes on verra euh, j'ai probablement euh, des petites euh, des petites ui pour un certain repository que maintient aurélie par exemple ça j'avais ça en tête euh, j'avais aussi... Euh, je vais re-regarder, mais le truc qui m'avait horripilé, même si ça a été rectifié depuis, c'est le fait de ne pas avoir une juste une bête calculatrice sur l'iPad. T'avais que des applications à une époque où il fallait avoir de la pub ou les pays ou n'importe quoi. Donc je me, je ferai probablement une petite, euh, une petite appli de calculette juste parce que ça sera la mienne et que je la mettrai en open source et que je la pousserai, comme ça. Comme ça, on ne pourra pas reculer si jamais ça rechange de politique côté Apple. On ne va pas avoir une calculette sur des machines comme ça. Bref. Euh, et puis, euh, dans les autres idées, euh, bah, on peut en parler parce que ça s'enchaîne avec le reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même noter que je vous ai parlé de ça. Ouais, J'ai déjà la machine qui euh, se met ramée avec OBS pour la rentrée, pour fêter ça. Ouais. Je vais mettre que je vous ai parlé de suite et SwiftUI. UI. On va faire ça ensemble en même temps. Euh, pok, pok. Ah oui, ça rame, rame là, ah, c'est sympa, cool. Je sais pas dans quoi il rame comme d'habitude. On va lui faire mes derrière, des fois que ça soit, mais, mais je sais, malheureusement, je pense que c'est pas ça. Euh, nous y reviendrons sur ces histoires, oui. L'image qui frise parfois et qui parfois floute, ouais, ça m'étonne pas. J'ai l'encodeur en surcharge, mais euh, c'est pas... En, en vrai, c'est pas l'encodeur, c'est encore... Euh, je ne sais quelle bêtise qui doit tourner, parce que je. Enfin, bref. Ça ne s'est pas résolu pendant les vacances euh, tout seul. Et si ça floute, c'est que. Euh, en plus, Twitch a changé son interfaçage de résolution. Du coup, il faut mettre à jour OBS, faut faire un paramétrage que je n'ai encore pas fait. J'ai pas mis à jour OBS. Hein, bref. Il y a plusieurs choses qui doivent déconner aujourd'hui. On va essayer de terminer comme ça. Euh, dans les choses dont je voulais vous parler, ou plutôt euh, vous reparler. Il y a Meshtastic, pour ceux qui ont suivi, pas de soucis, pour ceux qui dorment au fond, on va en reparler. C'est euh, un peu dans les projets. Euh... Merci au fait euh, Messire Chenvey pour le lien sur euh, les réactions, les cam reactions dans euh, macos. J'irai lire ça avec grand plaisir. Donc mes c'est euh, je pense qu'il y a un schéma, non Il faut que je fasse l'ornement. Peut-être il faut que je fasse Learn More, ouais. L'idée c'est d'utiliser des devices euh, qui utilisent euh, l'Aura, qui est un protocole radio euh, pour émettre euh, pour émettre euh, des euh, des messages. C'est pas du le but c'est pas d'avoir du gros débit, mais c'est d'avoir euh, une grande distance de, de communication. Et donc MeshTastic se rajoute par-dessus ça euh, pour permettre de s'interfacer entre Laura et le reste de l'univers. Et le reste de l'univers, ça peut être. Euh, un des services de base, c'est de proposer euh, soit en USB, soit en wifi, soit en Bluetooth, le fait de pouvoir connecter un laptop ou un téléphone qui va donc pouvoir dire euh, au device qu'on veut émettre un message euh, sur le réseau mesh. Mes 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 oh là là. Mesh -tastic, qui est un réseau, euh, bien sûr, en peer-to-peer. En -peer. Les nœuds se répondent les uns aux autres, retransmettent les infos. Euh, Par-dessus ça, il y a des couches MQTT qui sont rajoutées pour diffuser différemment, pour pallier... Le, <coughs> le but dans tout ça, bon, c'est un réseau décentralisé, mais euh, ben, je vais vous parler tout de suite du deuxième projet qui est lié à Mesh et que j'ai rejoint. Hop. Le projet Golix, qui en fait euh, va rassembler des Français qui parlent de mèche tastique, mais qui ont aussi euh, un objectif euh, de proposer un réseau maillé, évidemment, mesh mais pour les situations de crise, euh, quand vous avez les, les infrastructures classiques qui tombent, d'essayer de pouvoir relayer de l'information par ce réseau-là. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, tout ça s'est déclenché, euh, bah, d'ailleurs je ne l'ai pas fait en arrivant, my bad. Alors il y a plusieurs choses que je n'ai pas fait en démarrant l'émission. La première, c'est bien sûr de vous rappeler qu'on a un Discord où on discute de tout ça, notamment euh, quand euh, l'ami Kongduno nous a reparlé de, de Laura, euh, il se trouve qu'il nous a reparlé de Mesh Tastic, mais presque par effet de bord, puisqu'il s'agissait... alors là il va falloir que je retrouve le lien... Euh... Non c'est pas là. on va le retrouver. Il nous a parlé de matériel, bah ben voilà c'est ça. Bien Consulting Shop. Qu'il était en train de s'équiper euh... donc il y a des, des différents devices hein, dans, dans toutes ces technologies là. Il y en a qui sont plus voués à être des nœuds euh, un peu en fixe qui vont servir de relais pour étendre le maillage. Euh, ça à terme c'est quelque chose que j'aimerais faire sur la... je sais qu'il y a des... quelques opérateurs sur la région lyonnaise, mais pas beaucoup le euh, problème c'est que ça implique d'avoir une base en fixe, euh, de l'avoir bien sûr euh, dans une position la plus élevée possible pour que les ondes radio se propagent le mieux possible, mais là on est sur des, des étapes on va dire ultérieures de ce que je ferai peut-être ou pas, on verra en tout cas il y a des devices de type un peu base et nous avons si je vais dans la partie product des devices plus dédiés. On va prendre le nano, voilà. Plus dédié à être en fait un client émetteur-récepteur de messages. Euh, voilà, le, on va dire le consommateur-émetteur euh, qui, qui utilise les mêmes technologies, mais qui euh, probablement pas forcément des antennes aussi puissantes. Enfin, voilà, Alors, on a plusieurs types de, de clients. Et il s'est mis à parler de ce matériel là. Donc, lui, la première chose qu'il a fait sur la, la base que je vous ai montré, c'est essayer de d'utiliser son, son firmware euh, qu'il appelle le Minimal LoRa, euh, qui permet de faire de la communication LoRa maîtrisée de bout en hein. bout. L'idée c'est pas de faire du, du mesh dans ce cas-là, mais peu importe. Euh, et donc en parlant de ça, moi j'ai replongé, j'ai regardé, j'ai revu mesh -tastic, qui me plaisait comme projet depuis un moment. Et donc voilà, j'ai acheté du matériel là-dessus. Euh, je vais voir euh, ce que j'en comprends. Je vais essayer de m'intégrer proprement euh, en respectant. Euh, les façons de bosser communautairement euh, par euh, Golix pour la partie française. Il y a les notions de, de canaux, il y a certaines fréquences. On verra où je creuse. Ça fait un moment que ça me chauffe aussi. Euh, Peut-être que j'irai jusqu'à regarder euh, si c'est vraiment si complexe que ça. Est-ce que j'aurai le temps de, de passer éventuellement le, la certification euh, d'opérateur radio, radio amateur On verra. On verra si ça va là. C'est pas sûr, on n'en est pas là. Et euh, dans tout ça, euh, boum, boum, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que j'y accède par là euh, Donc, après, je vois qu'il y a des applications euh, qui permettent d'interagir, je vous avais dit, avec les devices. Euh, L'application euh, Apple, je crois qu'elle marche que sur téléphone et sur iOS. Peut-être que je mettrai le nez, justement, le lien avec Swift, ça serait de voir si je peux faire une version macOS et ou à iPadOS. en tout cas est-ce que je peux contribuer Parce que j'ai pas du tout regardé la complexité du code qui est en jeu. Ensuite, euh, je sais qu'il y a une application, mais elle ne doit pas apparaître là. Ou euh, on peut aussi interagir avec euh, un des serveurs, euh, un des serveurs MQTT, donc il faut que je lise comment ça fonctionne. Aujourd'hui, euh, c'est un script Python avec une interface en TK, donc pourquoi pas. Euh, déjà, est-ce que je peux contribuer à ça et ensuite est-ce que je peux faire une version Swift J'en sais rien pour le plaisir de développer ça. Ça fera probablement partie des, des choses que, que, que je vais tester et essayer. Et l'autre truc que j'ai vu, donc je vous ai remis le lien Discord. Je vais vous mettre le lien et je le mettrai bien sûr pour le replay Hop. sous le replay dans YouTube. Donc j'ai bien sûr oublié le replay de la dernière mission avant les vacances sinon c'est pas drôle il faudra que je fasse ça dans la semaine rapidement quand même tac je vous mets le lien sur mesh tastic et puis bah, si ça vous intéresse sur la partie on va venir voilà, sur la partie volix tac comme ça vous avez tous les liens euh, et puis ça me permettra de ressortir un petit peu euh les différents matériels, l'aura, je sais pas je sais qu'il y a des configurations assez précises qui sont supportées par le firmware meshtastic lui-même, mais est-ce que c'est vraiment complexe d'utiliser pas tout à fait pile le même matériel on verra, j'ai quelques il me reste quelques chipsets de chez Rack par exemple que j'aimerais bien utiliser et attention, transition extraordinaire que j'aimerais éventuellement utiliser avec le ah oh putain, je vais pas retrouver le nom évidemment, c'est pas ça euh, where is the lien? Comme on dit par chez nous, je vais vous le retrouver à côté. Hop, alors le Hackberry Pi, voilà, j'essaie de retrouver ça. Yes. Non, non, c'est important que tu respectes ce que j'écris, s'il te plaît. Quand je dis Hackberry, c'est Hackberry Pi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a voilà, Je vais vous mettre parce que j'aime bien Mini Machine. Je vais vous mettre le lien de Mini Machine qui en parle. C'est un, un, euh, un petit deck euh, avec un clavier, euh, un clavier Blackberry, un écran et un Raspberry Pi. Euh, euh, donc, c'est un, un 02W derrière euh, qui va me servir aussi à connecter. Euh... Tu es bilingue, t'as tout compris. <laughs> Attendez, je vous mets le lien. Voilà. Donc j'ai ça aussi qui est, euh, qui est en route, euh, ça tourne avec des petites batteries Nokia, euh, ça tombe bien j'en avais en stock. Euh, voilà, et avec ça euh, je vais euh, m'en servir un petit peu de, de terminal portatif par USB avec une puce LoRa, je ne sais pas encore laquelle, probablement un chipset euh, GPS aussi. On verra si je me fais ma petite station comme quand euh, l'ami Kongduno se balade un peu partout depuis le temps que je veux faire ça. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, puis j'ai d'autres idées parce qu'évidemment... Euh, il y a le logo là-dessus, on peut faire un peu de sécurité avec ça. Euh, je ne jouerai pas avec de l'émulation euh, là-dessus. J'ai d'autres euh, outils, dont les machines que je vous avais... Par... Les Ambernic que je vous avais montré quand je les avais reçus. Donc voilà. Euh, il y a les ressources pour le fabriquer si on veut soi-même. Euh, il y a la possibilité aujourd'hui... C'est un étudiant qui est en Allemagne qui, euh, qui vend ça. Donc en plus, c'est... Ça part d'Europe quand il en a un lot à vendre, donc euh, n'hésitez pas. Euh, si c'est un truc qui vous intéresse, allez regarder la page de plus près. Euh... Je vois que Philippe essaye de me tenter avec un lien, donc on va cliquer immédiatement dessus pour aller voir de quoi il parle. Ah mais oui, le consolo. Oui, oui, oui. Encore un système basé sur du Raspberry euh, en mode euh, tablette, mais pas que. Ouais, 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 ouais. c'est pas le premier que je vois passer. Je sais pas si. Euh... Oui, pourquoi pas. Très bien. C'est pas encore en prod, puis, euh, puis, euh, puis, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de ça. Euh, j'ai toujours. D'ailleurs, il faut qu'on en parle, Philippe. Euh, La micro console. Et juste avant de partir en vacances, je pensais que les deux fonctionnaient, mais je sais pas si le deuxième fonctionne vraiment. Il faut qu'on en discute. Je vais peut-être changer de config, donc il y en aura peut-être un à vendre quand même. Celui qui fonctionne, évidemment. L'autre, je pense qu'il est. Il est en intermittent du spectacle, c'est pas sûr qu'il soit fiable. Donc euh, je vais re sûrement revendre le micro console euh, euh, celui qui fonctionne. Et puis euh, utiliser le, le Hackberry euh, dans le rôle euh, du petit truc portatif que je voulais. Parce que finalement, je pense que ça va être le bon format. Je vais juste tester le. L'écran, le, le, l'aspect de l'écran du Hackberry Pi. Pour ce qui est du clavier, je ne suis pas inquiet, le micro-console me va très bien et celui du Hackberry qui est un Blackberry, je l'ai déjà eu sur d'autres. Je l'ai. Euh... Je sais plus le nom du produit qui était un clavier comme ça où il y avait une puce euh, circuit de Python aussi. Euh, C'est très très utilisable pour, euh, pour saisir un petit peu de texte ou quelques messages ou des choses comme ça. Euh, C'est très, euh, très pratique. Bah, écoute, encore un projet, on va, on va le noter. Le solo. Ah évidemment il y a un module IA, bah, tout va bien alors. Un module SSD. Et puis il me reste une dernière chose à vous montrer quand même. Euh, tac tac tac. Euh, je sais pas si j'en avais parlé dans la dernière émission mais vous voyez comme quoi. Je suis vraiment parti en vacances mais en euh, geekant le minimum possible. J'ai reçu... Voilà. C'est un PC. Le petit GMK le petit GMK Tech euh, et donc si vous étiez sur le Discord vous auriez su d'en discuter avec euh, avec la MiliBox qui en a acheté un aussi euh, et moi je l'ai reçu et j'ai pas eu le temps de m'en occuper donc euh, il faut que je me fasse euh, une petite clé USB bootable avec euh, je sais pas quelle version euh, euh, quelle version de Linux je vais coller dessus alors euh, oui c'est toujours un joujou pour moi de toute façon l'électronique et l'informatique ça reste du plaisir et de l'amusement euh, au maximum mais euh, euh, là l'idée c'est de... de pérenniser ce que j'avais commencé. Je retrouve même pas mon... mon cutter. Je suis vraiment parti en vacances comme un cochon. Ouais. Euh... L'idée c'est de pérenniser ce que j'avais commencé à... à faire avec le Raspberry et qui, qui fonctionnait bien. Euh... Mais je voulais faire autre chose avec le Raspberry, donc je voulais le récupérer. Euh... Non, il n'y a pas de GPU sur ce modèle-là. Donc l'idée c'est pas de faire de l'IA. Je laisse ça aux professionnels expérimentés de la cascade. Euh, voilà, puis je vous fais de la SMR en même temps, ouais, j'ouvre le paquet. Je ne sais même pas si vous l'entendez parce que j'ai des filtres sur l'audio. On s'en fout. Euh, donc vous bien sûr, euh, avec tout le soin vous pouvez imaginer des livreurs euh, quand vous faites livrer quelque chose qui traverse la planète. J'ai des pins sur la boîte mais, euh, mais tout va bien à l'intérieur. Euh, voilà, c'est ce genre de format. C'est pas gros du tout. Hein. C'est pas, euh, pas une forte puissance à l'intérieur. Ben, je crois qu'il y a le même processeur que dans ton Star Lab, Philippe. Un unpackaging en direct, ouais. Mais je le fais pas en ASMR depuis euh, Sona, donc je sais pas si c'est valide pour TikTok. Euh, c'est un petit PC avec un processeur. C'est un N100 qui est dedans, comme dans ton Star Lab. Donc, euh, c'est vraiment pas fait pour de la grosse puissance, mais... Euh, oui, je, je m'entraîne pour notre live dans le spa, mais bien sûr. Euh, évidemment qu'on va finir par le faire. Euh, voilà. L'idée c'est de, de continuer mes petits projets de, de domotique. Comme il y a deux prises Ethernet et que j'ai. Enfin, j'ai des histoires entre mes étages au niveau du réseau. Je voudrais aussi euh, avoir une petite sonde réseau à cet endroit-là, probablement. Euh, et puis ouais, que, que toute la domotique qui tournait sur le... Sur le Raspberry, tourne sur celui-là et en même temps, j'ai un petit service ou deux que je vais faire tourner dessus, euh, notamment le serveur. Vous vous rappelez, pareil avant les vacances, le jouet auquel je n'ai pas touché, voilà, le Wulanzi. Il y aura ce, le petit serveur qui sera aussi avec, mais qui devrait normalement marcher d'ailleurs avec, euh, avec Home Assistant. Donc tout ça devrait. Euh, sur ton Starlab, tu arrives même à faire tourner du haut -bas, dans les modèles Tiny Ouais ouais ben, je, je n'en doute pas. Mais euh, encore une fois, je laisse ça aux professionnels de la cascade. Je dis pas que je ne ferai pas de lire je continue d'en faire, mais hein, on ne peut pas tout prioriser en même temps. Donc voilà, euh, vous avez déjà euh, tous les petits projets que j'ai en tête pour la rentrée, euh, et on verra. Euh, chez, bref, des histoires d'espace disque, de machines et tout ça. Donc euh, c'est pas impossible qu'il y ait... Euh mon anniversaire s'approchant, euh, je pense que comme je, je ne serai pas à Devox Maroc, malheureusement ça n'a pas été possible, et que ça tombe à peu près dans ces périodes-là, peut-être que en guise de cadeau je vais euh, je vais probablement m'acheter soit un Mac Mini, soit un Mac Studio, on verra, euh, on verra la config. Euh... Ah oui, c'est vrai, tu avais un. Un Beagle AI, euh, Philippe, tu l'as pas encore testé, il faudra, faudra regarder ça quand même. Ça, ça doit bien faire tourner les, tes petits modèles, ou même des modèles normaux, ça doit commencer à bien tourner avec. Ça doit, ça doit permettre des choses un peu sympas. Et euh, si ici, si, dans la partie IA, que je suis bête, j'ai commencé à tester les trucs en même temps que je faisais la partie Swift, euh, puisque euh, Apple a rajouté des services qui arrivent dans iOS 18. Euh, et euh, du coup, euh, eh ben c'est euh, aussi la, la possibilité d'avoir les, les modèles Apple dans une application. Donc peut-être que ça sera l'occasion de jouer avec. Et évidemment, Philippe, euh, on en parlera, c'est sûr. Euh... Mais oui, mais oui, Stéphane, mais oui, Fanny, on peut se faire des cadeaux quand on va pas à Devox Maroc. T'as une idée qui a deux et qui te fait de l'œil tu veux t'acheter une trottinette <laughs> En parlant de trottinette, euh, j'ai reçu un, un courrier euh, qui m'apprend que euh, ma moto euh, a gagné le droit de faire partie du nouveau programme formidable et indispensable, évidemment, de, de contrôle technique des motos. Donc il faut aussi que je m'occupe de ça, sachant que j'ai toujours un problème de chaîne il faut que je règle. Donc. Euh donc voilà, il y aura ça aussi, et euh, on verra une fois réparé, une fois contrôle techniqué, passé. On verra, euh, on verra si je fais un tour de roue jusqu'en Touraine. Tiens, ça pourrait être, ça pourrait être une idée une fois qu'on aura nos cadeaux. Alors, hein, Stéphane, je, je te rappelle que quand je suis arrivé dans ce nouveau métier, j'avais dit qu'on se ferait un tour de France, euh, le Devrelon Bike. Hein. C'est hors -policie de tout ça, c'est à tenter. <laughs> Allez, bah bon appétit à euh, ceux qui partent manger. Moi, je crois que j'ai fait le tour de tous les petits projets qui n'auront peut-être pas lieu, mais ça ne fait rien. Je vous ai fait un, un petit tour de, de ce que j'avais euh, en tête en cette rentrée. Est-ce qu'il y avait autre chose dont j'aurais voulu vous parler Je regarde vite fait un petit peu mes notes. Non, ça, c'est encore en cours. Un petit peu d'électronique, mais on va attendre que ça émerge. Est-ce que je m'étais noté un petit signé là aussi Peut-être pas. Euh, moi je suis partant, on va faire un tour de France, il n'y a pas de souci. Il faut en parler à un autre, à un autre employeur. Euh... Non, ça je le garde pour plus tard. Euh, ça c'est pareil. Non, ça c'est des trucs que j'ai mis de côté, que j'ai un peu en retard, mais je sais pas si je vais jouer. Il y a un... Un navigateur que je pas testé jusque-là, qu'il faut vraiment que je teste. Et non. Non, après, c'est beaucoup de choses autour de textuel, mais je vous ferai un truc consacré à ça, puisque ça fait partie des talks qui ont été acceptés autour de la TUI. Bon, je vous ai parlé à plusieurs reprises dans ces émissions, et je vais en faire un talk. Donc, euh, je vous en reparlerai au fur et à mesure que j'écrirai quelque chose. C'est de plus en plus cher les Raspberry Pi, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et euh, je sais pas si tu étais là déjà l'inaugure, d'abord un hein. salut, coucou. Euh, le, le petit euh, GM Tech, franchement, euh, si je mets exactement les mêmes types de config d'éléments qu'il y a à rajouter sur un Raspberry euh, pour avoir l'équivalent, je suis quasi au même prix parce que... Euh, celui-là, il euh, faut que b soit là, il me rappellerait le prix, mais j'ai dû le payer 120 balles ou un truc comme ça. Et quand tu achètes un Raspberry Pi 5 et que tu le rajoutes un HAT SSD, tu mets un SSD dessus, je pense qu'on doit déjà être dans ces eaux-là. Il euh, y a quand même certains cas où, euh, et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà exprimé mon regret, euh, je pense que le côté euh, ordinateur pas trop puissant, mais pas cher du tout, euh, a un peu... Glisser côté Raspberry, c'est un peu dommage. Euh, bon, après, on peut acheter les anciens modèles. Hein. Il y en a qui sont toujours en vente, mais euh, c'est un peu dommage. Euh, Orange Pi, j'ai jamais trop essayé. Ouais. Euh, je sais pas si le coût est vraiment différent. Si on va chez Orange Pi, là, si on prend Hop. Orange Pi Official Website, Hop. on va le faire ensemble. Un Pi 5 Pro, est-ce qu'on a un shop ou est-ce qu'il faut on peut pas acheter euh, directement, c'est ça? Est-ce que le More Info va jusqu'à te proposer la vente Non, tu es obligé de l'acheter dans différentes boutiques, c'est ça Orange P5, quand il l'a appelé Pro, c'est ça Orange P5, non, Orange P5 Pro, ouais. Est-ce qu'il y a des liens d'achat Ouais, tu vois, du AliExpress à 100 balles aussi, hein. Ben, 40 balles de Orange Pi, tu vois, euh, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Ou alors les versions en dessous, mais à ce moment-là, euh, euh, si tu prends les versions en dessous, tu. Oui, parce qu'il y, y a des hauts orange... Alors, si on fait ça, la partie hardware chez Orange Pi, voilà, les Pi 5 Max, évidemment, ils ont un truc pour l'IA. Il euh, y a les équivalents euh, en Pi 3, Pi 4, Pi 2, ils ne même pas, ils donnent les mêmes noms maintenant. Donc euh, je ne suis pas sûr que les prix chutent. Euh, toi même si on compare, hein, tiens on va comparer aussi orange pi0 de W. On est sur euh, la branche pi. On ouais. balles sur, sur, sur Ali. Hein, donc Là on est déjà sur du prix tiré tiré tiré. Euh, voilà. On est sur le prix d'une pi02 W. Hein. Là, chez Cubi, elle est à 20 balles. Donc euh, ouais, tout, tout a augmenté euh, moi j'ai presque plus de, de pi02 maintenant, mais ça c'est pas le même usage, mais euh, pour tous les petits bricolages et les petites euh, choses légères, j'allais dire, euh, ça suffit largement. Et la question que je m'étais euh, je voulais comparer pi 02W avec, je ne sais pas, un 3 ou un 4. Carrément un 4, là on va comparer. Est-ce qu'il y a des comparatifs de puissance qui ont été faits les pages versus, je me méfie, parce que c'est souvent un peu blablabla. Non, mais il n'y a pas comme ça au moins. Ah, je pensais qu'il y aurait des comparaisons de modèles. Là, c'est ça. Il n'y a personne qui s'est amusé aussi, de ne ben, y avoir des comparatifs entre les versions de Pi Il y a le côté port hein, évidemment, mais en termes de patates, euh... ouais, je pense que. Enfin, moi, le, les, les petits montages que je fais euh, maintenant, euh, si je peux avoir un, un Pi 0, euh, dans ces cas-là, un Pi zéro deux, ça suffit largement pour la plupart des montages. Je te dis, après, quand j'ai commencé à refaire un peu de la domotique à la maison, ben, la conclusion au final, c'est que mon Pi 5 me coûtait beaucoup trop cher dans ce cadre d'usage. Je préfère l'utiliser à d'autres projets où il y aura besoin de connectique, justement, de GPIO et tout ça. Et d'avoir un petit PC avec un N100. Euh, voilà, je sais pas si... Tiens, GMTech N100. Euh, oui, je... je... Est-ce que tu mines ça Oui, je mine ça... Euh... Voilà, il y en a même des versions encore moins chères. Alors, il y a peut-être moins de RAM. Bon, peut pas, non, peut-être non, pas... Ça... Ah, il y a même plus de RAM, bien sûr, sur celui-là. Tiens. Donc voilà, pour 110, 150 balles sur Ali ou sur Banggood, vous avez un N100 quoi. Et là, effectivement, alors, pas dire de conneries, euh, celui-là, je crois que j'ai payé un tout petit peu plus pour avoir pile la ligne qui conseillait avec. Je crois que c'était ça. Maintenant, peut-être que je plane. Ouais, si, si, j'ai la ligne avec. Je suis en train de regarder dans la boîte en même temps double unboxing du jour ouais il ouais, y a une anime avec donc ouais pour euh, je crois que j'ai ouais au c'est bien aussi mais tous ces trucs là ils ont fini par enfin euh, c'est comme le reste hein. averti je me suis pas calmé euh, de ce côté là et ça me désole de voir euh, des belles initiatives devenir des initiatives de fric comme les autres et que ce soit pi, Odroid, Orange Pi, tout ça on en arrive à rejoindre le marché du PC qui lui a été obligé de faire des efforts de l'autre côté sur les entrées de gamme et... c'est n'importe quoi ça devrait pas on devrait toujours avoir des pi à 40 balles, je suis désolé hein. ça devrait pour l'usage initial qui... qui en était qui en était l'argument initial, ça aurait, dû... ça aurait dû continuer comme ça bref euh... Et ça me fait penser, dis donc, euh, Binogure, t'aurais pas une bêta ou un truc à annoncer dans tes jeux, toi, en ce moment C'est bien. Oui, oui, oui. Avant de partir en vacances, il me semble que j'ai vu passer des messages et que je me suis inscrit. Où est-ce que c'est passé ah ben Alors, je ne le trouve plus. Je l'ai rêvé. en phase de playtest, c'est pas encore fini. Ok, 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 ok. Oui, parce que j'avais ra raté le moment où on pouvait éventuellement être en playtest et du coup j'ai dû envoyer une demande avant de partir en vacances ou un truc comme ça. Mais, euh, mais mais ce sera avec plaisir quand tu en arriveras, je sais pas, une alpha, une bêta. Euh, N'hésite pas. Euh, ici, tu as euh, pas mal de joueurs euh, de ta production précédente qui avaient beaucoup aimé quand j'avais fait des lives et on, on y a tous tous joué donc. Euh... Surtout, n'hésite pas, quand as des infos, fais les passer, je les, je les ferai circuler avec un immense plaisir. <coughs> Pardon. Et bien sur ce, messieurs, dames, je vais aller tousser plus loin et aller me prendre un petit... Ah eh bah oui, tu confirmes. Euh... Eh oui, évidemment, hein, monsieur Vachalot, tu confirmes. Sur ce, je vais aller prendre un petit café, là, parce que je ne sais pas pourquoi je tousse, et puis euh, reprendre, euh, reprendre tranquillou le boulot. Euh, je souhaite une excellente journée à tout le monde, que vous soyez en vacances ou déjà de retour au boulot. Euh, ici, il fait pas trop chaud aujourd'hui en plus. On a une alternance de onkai et on a chaud, et là, c'est pas mal aujourd'hui. Donc, profitez bien de votre journée. Je vais tâcher de tenir un petit peu mes plans de projet à jour et que ça, il se passe des choses. Euh, venez sur le Discord papoter, n'hésitez pas. Et puis, euh, je vais essayer aussi. Il faut que je me bouge mettre le replay de la dernière fois plus celui d'aujourd'hui euh, rapidement à disposition. Et ben je vous fais plein plein de bisous. À ciao ciao.